لله السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته باي برحمة برحمة باي برحمة 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 باي برحمة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم صلاة والسلام في تسارف الأواني من زوات ذات تطرى نحو تاها ما كفاني ثم آل وصحاب سارموا وصل الخواني السلام عليكم ورحمة الله chers frères et sœurs en Allah nous vous revenons avec un tout nouveau numéro où nous parlerons de la naissance de la voix Tijaniya dans votre émission Tijaniya qui a lieu tous les mardis dans votre chaîne Barhamu TV. La dernière fois, nous nous sommes arrêtés là où cher Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, accepta la demande de Sidi Mahmoud, qu'Allah l'agrée. Il rentra enfin au Maghreb et s'installa à Tlemcen au cours de la même année que celle où il effectua son pèlerinage en 1198 de l'Égypte. C'est dans cette ville qu'il fit la rencontre du premier de ses futurs disciples, le grand savant Sidi Muhammad ibn Mishrik Allah l'agré. Il lui transmit la tariqa Qalwatiya puis le désigna pour diriger la prière. Car Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, n'aimait pas assumer cette charge. Sidi Muhammad ibn Mishri, qu'Allah l'agré, demeura son fidèle compagnon jusqu'à son décès qui eut lieu en 1224 de l'Égypte. Durant cette période à Tlemcen, certaines personnes vinrent visiter Sayyidina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, pour le prendre comme cher et s'abandonner entre ses mains. Toutefois, à ceux auxquels il octroyait l'autorisation, il disait « Qu'Allah sanctifie son précieux secret, nous sommes juste des compagnons et il n'y a pas de chair entre nous. » En 1191 de l'Égypte, Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, entreprit de se rendre à Fès pour la visite pieuse de Moulay Idriss, qu'Allah l'agré. En passant à Oujda, il fit la rencontre de l'un de ses plus grands compagnons, Sidi Hajj Ali Harazim, qu'Allah l'agré. Celui-ci se joignit à une caravane qui se dirigeait à Fès et il fit la connaissance de Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, qui se présenta à lui. Or, Sidi Hajj Ali, qu'Allah l'agré, l'avait vu en rêve 2 ans auparavant et il savait qu'il deviendrait son compagnon, mais il l'avait oublié. Après 2 ou 3 jours passés ensemble, Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, par son prodige du dévoilement, lui rappela ce rêve avec précision. Son compagnon de voyage, qu'Allah l'agré, en fut impressionné. Puis Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, ajouta « Sache que je ne voulais que cette rencontre et louange à Allah. » Une fois arrivé à Fès, Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, s'établit un moment en ces lieux pour visiter la tombe de Sidi Moulay Idriss, qu'Allah l'agré. Durant ce temps, il transmit également la voix Khalwatiya à Sidi Hajj Ali, qu'Allah l'agré, et lui enseignant de ce qu'Allah lui avait révélé parmi les sciences et secrets de la Sunna. Lorsque le moment de retourner à Tlemcen arriva, après avoir fait ses adieux à Sidi Hajj Ali Harazim, qu'Allah l'agré, il lui recommanda « Accorde-toi au pacte et à l'amour jusqu'à ce que tu atteignes l'ouverture spirituelle. » Sayyidina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, lui annonça également, qu'Allah l'agré, qu'il prévoyait de quitter Tlemcen pour un autre endroit qu'Allah lui aurait choisi, car son état ne pouvait s'accorder avec ce lieu où il se trouvait être dans un état de resserrement.
il retourna qu'Allah sanctifie son précieux secret, ainsi à Tlemcen, et demeura là-bas quelque temps. Jusqu'à ce que sa renommée grandissante finisse par inquiéter le bey Muhammad ibn Othman. Ce dernier entreprit d'intimider ceux qui se rendaient auprès de lui, qu'Allah sanctifie son précieux secret, et surtout depuis qu'il dirigea lui-même une armée afin d'attaquer la ville de Larwat et celle de Ain Mahdi. Aussi, Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, prit la direction du désert en 1196 de l'Égypte et demeura dans le village ancestral de Boussemgoun. Ce Kessar porte notamment le nom d'un pôle qui avait résidé dans la cité où il est d'ailleurs enterré. Certains disent que 40 pôles auraient habité cette ville et que le 40e serait Sayyidina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret. De là-bas, il partit visiter certains walis vertueux de la ville de Touat, avec qui il échangea des connaissances, des secrets et plus particulièrement avec le connaissant Sidi Muhammad ibn Fuda'il, qu'Allah l'agré. Il retourna par la suite à Boussemgoun. C'est justement dans ce village, alors qu'il était âgé de 46 ans, que Sayyidina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, eut son plus précieux et plus majestueux prodige. Alors qu'il s'était retiré, qu'Allah l'agré, comme à son habitude, dans l'une des pièces de sa demeure, en pleine journée, il eut sa grande ouverture. C'est au cours de cet instant que vint à lui, qu'Allah sanctifie son précieux secret, et à l'état de veille, le noble prophète Muhammad, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Le maître de l'existence, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui annonça à l'état de veille, « Je suis désormais ton initiateur, ton maître. Aucun autre être humain ne prétendra être ton initiateur. Il te faut en conséquence abandonner tout ce que tu as pris précédemment de l'ensemble des voies. Personne n'aura de reproche à te faire, car c'est moi qui serai ton intermédiaire auprès d'Allah et aussi ton aide. » Il devint, qu'Allah sanctifie son précieux secret, le dépositaire de la voie spirituelle du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui-même. Voie mère qui renferme en elle toutes les autres voies, c'est la tariqa Ahmadiyya, Muhammadiyya, Ibrahimiyya, Hanifiyya, qui contient des grâces immenses jamais obtenues par toutes les autres voies. Tout comme la communauté du bien-aimé prophète Muhammad, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, possède des grâces qui n'ont jamais été obtenues par toutes les autres communautés avant l'islam. Tout cela provient du fait que cette voie tire son origine et son irrigation du sceau des prophètes et messagers, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Cher Muhaydin ibn Arabi, qu'Allah l'agré, avait dit, les awliyas se trouvent sur les traces de pas des prophètes. Chaque wali est sur les pas d'un prophète. Ainsi, chaque chair s'abreuve dans la source spirituelle d'un des prophètes d'Allah. Bien évidemment, la plus haute station spirituelle chez les chouyours est celle qui s'abreuve à la plus haute station chez les prophètes, qui est assurément celle de leur sceau, notre maître Muhammad, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Il est la source mère et l'origine de toutes les sources spirituelles. Sayyidina Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, est donc passé d'une chaîne spirituelle qui comprenait de nombreux maîtres sur plusieurs siècles pour remonter jusqu'au bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, a désormais une seule et unique chaîne précieuse le reliant directement à lui, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Les vertus attachées à la voix du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, et à son khalif Sidi Ahmed Tijani, qu'Allah sanctifie son précieux secret, sont innombrables. Le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, enseigna à Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, le word qu'il devait transmettre et qui contient les lumières de sa station particulière.
Puis, il lui dicta les conditions inhérentes à sa voix. Il lui octroya également que la prière et la paix d'Allah soient sur lui des oraisons qui lui étaient spécifiquement réservées ainsi que leur planification, dont le contenu devait rester caché. Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, a dit « Je ne récite aucune évocation sans qu'elle ne me soit planifiée et spécifiée par le messager d'Allah, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. » Parmi les dons immenses qu'il a reçus pour lui-même, qu'Allah sanctifie son précieux secret, ainsi que pour ses disciples, se trouve une prière sur le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, nommée Salat Fatihi. Bien qu'il ait connu et qu'il ait accompli cette prière avant de la recevoir directement du bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, en réalité, Salat Fatihi et ses mérites était réservé pour son époque. C'est ainsi que seul lui-même, l'ensemble de ses disciples et ceux qui en ont eu l'autorisation peuvent tirer profit de l'étendue de ses mérites particulières. Il a dit qu'Allah sanctifie son précieux secret, je m'occupais de faire Salat Fatihi de mon retour du pèlerinage jusqu'à Tlemcen, car j'avais eu connaissance des mérites qu'elle contenait. En effet, lorsqu'elle est récitée une seule fois, elle équivaut à la récitation de 600 000 autres prières, comme il est rapporté dans Wird Yujur. Son auteur a raconté que celui qui l'a mentionné est Sidi Muhammad El-Bakri Siddiq, qui est un poul et qui a dit « Celui qui la récite une fois et qui n'entre pas au paradis, qu'il m'attrape et m'amène le jour du jugement dernier devant Allah. » Ainsi, je n'ai cessé de l'évoquer, et ce, jusqu'à mon départ de Tlemcen pour Boussamgoum. Puis j'ai constaté qu'une autre prière équivalait à 70 000 lectures de Dalail al-Khairat, alors j'ai abandonné Salat Fatihi et ne me suis occupé que de cette prière en question. En raison de ses bienfaits, ensuite, le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, m'ordonna de retourner à Salat Fatihi. Et je lui ai demandé quels en étaient ses mérites. Il m'informa que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, qu'une seule récitation équivalait à toutes les glorifications faites dans la création, ainsi qu'à toutes les formules d'évocation et de supplication, grandes ou petites. Il a dit aussi qu'Allah sanctifie son précieux secret. Salat Fatihi est un acte divin, c'est-à-dire une grâce divine, qui ne laisse pas de place à la raison humaine. S'il y avait 100 000 communautés, et que chacune soit composée de 100 000 tribus, et que chaque tribu soit composée de 100 000 hommes, et que chacun de ces hommes vive 100 000 ans, et récite chaque jour 100 000 prières sur le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, autre que la Salat Fatihi, et que l'on rassemblait toute la récompense de ces communautés durant toute cette période, il n'arriverait pas à la récompense de l'évocation d'une seule Salat Fatihi. Il reçut également, qu'Allah sanctifie son précieux secret, une autre prière particulière sur le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, du nom de Jawharatul Kamal, dont l'énoncé magistral est un concentré de la connaissance de la réalité muhammadienne. Ses mérites et secrets sont multiples. Dans une lettre, Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, a mentionné entre autres: sache qu'Allah nous a graciés d'une bonté immense par le don de la prière appelée Jawharatul Kamal. En effet, toute personne qui la récitera 12 fois avec des ablutions complètes, puis dit « Ceci est un cadeau pour toi, ô messager d'Allah ». C'est comme s'il avait visité le prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, dans son Raouda Sherifa, emplacement dans la mosquée du prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, à Médine, dénommé Jardin Paradisiaque.
et c'est comme s'il avait visité toutes les Aulia qui vécurent depuis l'exil du prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, jusqu'à l'accomplissement de ce dhikr. Remarque, qu'Allah te fasse miséricorde, ses grandes faveurs, ses pierres précieuses d'une grande valeur qu'Allah le généreux nous a données et dont furent privés tous les autres peuples. Le bien-aimé prophète, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui, lui donna quelques recommandations, lui étant particulières, qu'Allah sanctifie son précieux secret, ainsi que des conseils sur la ligne de conduite à tenir. Maintiens-toi dans cette tariqa, sans te retirer du monde, ni cesser d'être en relation avec les hommes, jusqu'à ce que tu atteignes la station spirituelle qui t'est promise, tout en gardant ton état, sans grande gêne, ni difficulté, ni effort cultuel excessif. Renonce désormais à tous les saints. Sayyidina, qu'Allah sanctifie son précieux secret, devait dire plus tard, « Certes, nous avons pris de nombreux chouyours, qu'Allah les agrée, mais Allah a décrété qu'aucun d'eux ne devrait me faire parvenir à mon objectif. » Ainsi, notre chaîne et notre maître dans cette voie remonte au maître de l'existence, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Et Allah a également décrété que notre ouverture ainsi que notre obtention ne se réaliseraient qu'entre ses mains, que la prière et la paix d'Allah soient sur lui. Aucun autre chouyour n'a d'entreprise sur nous, et cela est suffisant. Ainsi, nous allons nous arrêter là et vous donner rendez-vous le mardi prochain, toujours pour parler de la naissance de la voie Tijaniya. Merci de nous avoir suivis. Aimez la vidéo, abonnez-vous à la chaîne et surtout donnez-nous vos impressions dans les commentaires. Allez visiter notre page Facebook Barhamou TV, notre page Instagram Barhamou TV et notre site web www.barhamou.com. Assalamu alaikum wa rahmatullah.